This meeting Ok. is being recorded. Ok, donc voilà, c'est bon, vous avez bien vu où c'était? Oui. Ok, super. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ce diaporama-là. Tac. Donc, c'est parti pour la deuxième session. L'idée, c'est de finir à 19h. On reviendra pas sur, on fera pas, on refera pas un tour de table. Là, ce soir, on a l'équipe d'Anelin, de Comines, de Lincel en transition, Cap Énergie L'Homme, Tram CSCV, Saint-Guin au Soleil et Elem. Voilà. Donc, ça, c'est les équipes qui sont représentées ce soir. Je reviendrai pas non plus sur l'origine de Déclic, qu'on a vu la dernière fois. Déclic en quelques mots aussi. Une petite partie sur Déclic en tant que participant, ça va être surtout être un rappel d'étape, la lecture de factures et relevé de compteur. Un petit focus sur la mallette capitaine, à travers une vidéo aussi, parce que comme on n'a pas la mallette, on n'est pas ensemble, ce sera plus simple de passer par cette vidéo-là, et puis je répondrai à vos questions après pour voir si vous en avez besoin, enfin si vous en avez besoin, pardon. Et puis on fera un focus sur le béaba des éco-gestes. Pour que vous puissiez avoir ces éléments-là pour discuter juste après pour vous, Annelin, dans votre réunion d'équipe, et puis pour votre prochaine réunion d'équipe pour les autres capitaines d'équipe. Je me suis permise de mettre une petite photo de l'événement de lancement qui a eu lieu le 24 novembre. Voilà, il y a eu plus de 100 personnes qui étaient présentes. Donc ça, c'est l'événement de lancement. Et l'événement de mi-parcours, je pense qu'il aura lieu le samedi 4 mars matin. La fin du défi le 30 avril, et je vous annoncerai dès qu'on aura fixé la date l'événement de clôture pour savoir quelle équipe a gagné. Donc juste pour rappel, en tant que participant, du coup, on s'inscrit sur le site du défi. Ensuite, on répond au quiz, donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et puis on va remplir son pour suivre ses consommations d'énergie. On va s'intéresser à ses factures. Donc il va falloir retrouver les index. Qui correspond à chaque fois à une date. Et ensuite, bah, ça va être des relevés de compteur. Donc là, pour les factures, l'idée, c'est qu'elles correspondent à la période de l'année dernière pendant le défi. Donc décembre 2021, avril 2022, qu'elles recouvrent au moins cette période-là, ce serait l'idéal. Pour les cas à part, on pourra en discuter après. Donc ce que j'avais imaginé, je vais essayer de vous partager une vidéo avec le son. J'ai fait un test tout à l'heure, ça marchait à peu près, donc on va voir. Si jamais vous entendez rien, n'hésitez pas à me le dire. Donc normalement, elle est hop ici. Oula, est-ce que vous entendez le son ou pas, si je le mets en route? Non. 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 Alors du coup, je pense qu'il faut que je fasse ça. Que je lève un petit peu le son ici. La technologie, hein. Voilà. Je peux t'aider. Partager le son. Et là, on va voir si ça marche pour vous. Ça marche? Oui. Super, bah voilà. On a réussi. Alors, bah du coup, ça dure 3 minutes. Ça fait un petit peu état de ce qu'il y a sur une facture. Et l'idée, c'est de passer un petit peu de temps sur ce qui va nous intéresser sur cette facture juste après, pour que vous puissiez aller rechercher les informations, sachant que c'est aussi des informations que vous pouvez retrouver sur votre compte Enedis ou sur votre compte fournisseur si vous avez un compte en ligne. Allez, c'est parti. Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver face à une facture d'électricité comportant de nombreuses informations. Nous allons donc tenter dans cette vidéo de rendre les choses plus claires. La facture vous identifie avec 3 informations différentes. L'adresse du lieu de consommation, votre numéro de client, ainsi que le numéro PDL ou poids de livraison. Ce numéro PDL identifie avec précision votre compteur électrique. Il peut vous être demandé pour changer de fournisseur. Au verso et en bas de votre facture, un paragraphe intitulé « Caractéristiques de votre tarif » vous donne des informations importantes sur votre compteur. Premièrement, l'option tarifaire. Soit base, le prix du kilowatt-heure est alors le même toute la journée, soit heure pleine, heure creuse,
le prix du kilowatt-heure est moins cher en heure creuse, mais plus cher en heure pleine. Deuxièmement, la puissance du compteur, exprimée en kilowatts. Les compteurs domestiques sont le plus souvent en 3 kW, 6 kW ou 9 kW. Plus la puissance compteur est élevée, plus il est possible de brancher simultanément un grand nombre d'appareils électriques et plus le prix de l'abonnement est élevé. Le recto de la facture présente l'évolution du nombre de kilowattheures consommées par période de 2 mois. Au verso, vous retrouvez le détail de la facturation avec le montant de l'abonnement, c'est la partie fixe de la facture, le prix du kilowattheure d'électricité, c'est la partie variable de la facture qui correspond à vos consommations, ainsi que l'estimation du nombre de kilowattheures consommées sur la période. Pour calculer cette consommation, votre fournisseur a procédé à un petit calcul. Il a estimé en fonction de votre historique de consommation les relevés d'index de votre compteur et a soustrait les... Je fais une petite pause parce que du coup, c'est vraiment ça qui va nous intéresser juste après, les index qui figurent sur vos factures. Je relance la vidéo, il ne reste pas grand-chose. Les index de fin et de début de période de facturation pour trouver le nombre de kilowattheures consommées. Enfin, votre facture indique également différentes taxes, comme la contribution tarifaire d'acheminement, la taxe sur la consommation finale d'électricité, la contribution au service public de l'électricité, les taxes locales et la TVA. Pour information, la TVA s'applique à 5,5% sur l'abonnement, mais à 19,6% sur les consommations d'électricité. Si vous avez des questions sur votre facture... Voilà. Donc, on a vu à peu près ce qui nous intéressait. Là, c'est une vieille facture hein, qu'on voit dans la vidéo, mais je la trouve intéressante quand même parce que ça va assez vite et on voit les différentes choses qu'il y a sur une facture. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que même en diminuant votre consommation d'énergie, il y a toujours des charges fixes qui correspondent à différentes taxes, que vous avez ensuite l'abonnement, et puis enfin votre consommation. On le verra après, ceux qui gèrent le réseau ne sont pas les mêmes que ceux qui fournissent l'énergie. Et donc, votre fournisseur d'énergie, maintenant, il peut y en avoir différents, donc EDF, Engie, Enercoop, Total, voilà, il y en a toute une multitude. Et ils vont appliquer des tarifs différents sur la partie consommation d'énergie et abonnement. Donc, il peut y avoir un intérêt parfois à comparer ses factures avec le voisin pour voir s'il y a un intérêt à changer ou pas de fournisseur. Ensuite, vous pouvez aussi comparer sur le site de médiateur de l'énergie qui est référencé dans l'espace ressources de Déclic. Donc le médiateur de l'énergie qui vous permettra de comparer différentes offres. Et donc ça, à ce niveau-là, il y a déjà une première économie à faire, mais ça ne correspond pas forcément aux éco-gestes que vous allez faire, mais il y a aussi des économies à faire par là, potentielles. Hein. En revanche, il faut être très vigilant et s'assurer du coût de l'abonnement et du coût du kilowattheure avant de s'engager et voir si ce sont des tarifs comment évoluent les tarifs dans le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose forcément qu'il faut faire de manière aveugle, mais c'est intéressant de comparer, par exemple, avec des personnes qui ont les logements similaires. Et puis après, la deuxième chose aussi, c'est que vous avez peut-être un abonnement qui est en 9 kW et en fait, votre besoin en énergie correspond peut-être à 6 kW. Donc ça aussi, voir si votre abonnement correspond vraiment à votre besoin pour éventuellement passer à l'abonnement du dessous pour faire aussi des économies à ce niveau-là. Ça, c'est sur le côté abonnement et taxes. Les taxes, ça ne change pas d'un fournisseur à l'autre. Nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est le volet consommation. Et donc là, j'ai mis, mais alors on voit, je ne suis pas sûre qu'on voit vraiment bien, un extrait d'une facture où on voit en fait l'ancien index et le nouvel index. Et on voit une consommation entre le 29 janvier et le 27 mars. Et on voit ensuite qu'il y a deux index. Donc finalement, le premier index ici, ancien index, correspond au 29 janvier et le deuxième index, nouvel index, correspond au 27 mars. À partir du moment où vous avez ces deux index-là, eh bien, vous avez une consommation et ça peut vous permettre d'avoir un premier niveau, enfin une première information sur votre période de référence. Donc là, dans l'idéal, il faudrait une autre facture pour couvrir une période plus large, mais déjà à partir de celle-là, par exemple, on pourrait avoir une idée de sa réduction de consommation d'énergie si vous avez fait des relevés de compteur, bien sûr.
Ces informations-là aussi, vous pouvez les retrouver sur votre, sur le, les espaces en ligne si vous en avez créé. Et puis voilà. Est-ce que ça vous semble clair comme ça avec la petite vidéo? Est-ce que vous avez des questions? Pour les espaces en ligne. Pardon? C'est quoi les espaces en ligne qu'on a créés? Alors, par exemple, si vous avez créé un compte, je sais pas, vous êtes chez Engie, par exemple, si vous avez un compte en ligne où vous pouvez normalement retrouver vos factures, etc., vous pouvez avoir des informations sur votre consommation d'énergie, oui, sur votre espace client, en fait, sur Internet. Voilà, si vous êtes pas, si vous avez encore les factures en papier, bah du coup là vous allez suivre cette façon de faire. Si vous avez les factures en ligne, bah du coup va falloir les chercher en ligne, et parfois sur certains espaces clients vous avez même un peu plus d'informations et vous pourrez mettre plus d'index que si vous avez juste une facture papier. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Ok, super. Moi j'en ai une autre, c'est par rapport index pour l'eau. Oui. En fait, hier, on a fait notre première réunion avec les participants à LM, et on m'a relevé du coup le fait que Ileo font du coup un seul relevé par an au mois d'août. Oui. Et donc du coup, la question, c'était est-ce que l'index du mois d'août suffit? Moi, j'aurais répondu que oui, mais voilà, enfin, juste avoir alors, la confirmation. Pour avoir une consommation, il faut au moins deux index. Qu'est-ce que je voulais montrer dans l'espace donné, voilà. Là où on rentre ces informations. La période de référence, c'est pour ça qu'elle ne correspond pas uniquement à la période hivernale de l'année dernière. Si on regarde bien, elle va plus loin et ça permet d'avoir en fait deux relevés de compteurs. Donc là, par exemple, en août 2021 et en août 2022. Je ne sais pas si vous voyez la période de référence là, qui est indiquée sur le site. C'est 1er septembre 2020 au 25 novembre 2022, ce qui permet en fait, d'avoir deux relevés d'index pour l'eau et avoir du coup une période de référence sur le site. Est-ce que ça va? J'ai répondu? Oui. Ouais. Okay. Donc du coup, c'est ça. On leur dit de prendre l'index de 2021 et 2022 et après de suivre sa consommation tous les mois. Après, l'eau, c'est encore différent parce que finalement, d'un mois à l'autre, on va avoir la même consommation d'eau, sauf si on a des invités qui vont se doucher ou si on a une piscine, par exemple, l'été. Mais en fait, on pourrait très bien extrapoler les informations en faisant des relevés de compteur et en disant « bah ok, ma période de référence, sur un mois, je consomme autant ». Donc, ensuite, avec le premier relevé de compteur qu'on fait, on fait une soustraction en se disant « bah je consomme tant par mois, donc… » je peux un peu trafiquer mes données, mais en fait, parce que je sais que chaque mois, je consomme cette donnée-là. Je ne sais pas si c'est clair. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible aussi. Mais tout le monde a compris quand même. Ouais. J'entends des gens de loin. Je pense que c'est Annelin. Oui, Annelin. Ouais, okay. Céline, par contre, moi, j'ai une question. Alors, par rapport à vérifier l'abonnement, tu vois, pour que ça corresponde bien aux besoins 3, 6 ou 9 kilowatts. Oui. Tu as des informations à nous donner par rapport à ça? Comment on peut savoir qu'on a besoin de autant de... Oui, c'est en fonction des équipements, mais moi, je ne sais pas. Admettons, par rapport à ce que j'ai comme équipement, si, admettons, je suis en 9, si je peux passer en 6, tu vois. Bah, tout dépend des éléments qu'on utilise. Par exemple, s'il y a un four, s'il y a une plaque électrique, si vous l'utilisez en même temps, on va se consommer, admettons, plus de 6000 watts. Ah ouais, d'accord. Donc, de toute façon, dès qu'on a du chauffage électrique, on peut abandonner l'idée d'avoir du 3 kW. Ça, c'est une première information. Et puis après, en fait, il me semble que maintenant, sur les Linky, à un moment, c'est écrit puissance max empruntée. Donc, en fait, on voit jusqu'à quel niveau on monte. D'accord. Et du coup, ça peut nous permettre de se dire, bah, en fait, je ne monte jamais au-dessus de 6. 6 kg, c'est 6000. Donc, de se dire, bah, potentiellement, si je suis à 9, je peux descendre à 6. Par contre, ça veut dire aussi que si jamais je branche le four, plus le lave-linge, plus le sèche-linge, plus machin, je peux peut-être aller au-dessus. Mais du coup, c'est une question d'organisation parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, ça se bloque. Et donc, du coup, il faut débrancher quelque chose pour rallumer le compteur, quoi. Ouais, mais bon. J'ai eu le souci, moi, chez moi, parce qu'avant, j'étais au fioul. Je suis passé avec une pompe à chaleur. Il m'avait mis... Mon compteur était à 6 kW, on l'avait laissé,
Sauf que quand les gros consommateurs, ça te coupe le courant. Donc, j'ai dû changer et mettre un compteur 9 kW pour éviter ça. D'accord. Voilà, c'est ça. Après, c'est ça, ça dépend du besoin. Compteur, ils ne déjonctaient pas. Hein, c'est quand ils ont mis le compteur ligne qui est... Ah, il n'y a plus sensible. OK, c'est ça. C'est ça. Je vais regarder. Du coup, en parlant des compteurs, du coup, là, les factures... qui ont eu lieu l'année dernière, c'est pour avoir votre période de référence. C'est à ça qu'on va comparer votre consommation pendant le défi. Et pendant le défi, ce qu'il faut faire, c'est les relevés de compteur. Donc, si vous avez le Linky, vous pouvez relier directement votre compteur Linky. Et là, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo qui fait un petit peu état des différents compteurs qui peuvent exister et de tout simplement comment faire un relevé de compteur d'électricité ou de gaz. Et après, pareil, j'ai des petites diapos pour vous expliquer un peu plus en détail et je répondrai à vos questions juste après. Donc, tac, on va refaire ça. Je crois que c'est les mis là. Oula. Non. Ah, elle a disparu la vidéo. Alors, c'est pas grave, c'est l'occasion de vous montrer la page, la chaîne YouTube du défi. Avec Eco de France, vous avez des playlists, donc il y a la playlist énergie ici, et il me semble que c'est, faut pas que je me trompe, dans une de ces playlists-là qui a la vidéo, mais alors laquelle ? Ouf, je sais plus. Non, ça va pas être là. Peut-être qu'elle s'affiche pas la playlist, faut que j'aille dans la playlist ici. Ah voilà, économie d'énergie suivie des consommations. Et donc là, vous voyez, il y a même la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, comprendre sa facture d'électricité, il y a d'autres vidéos. Et donc, on va mettre la première, si elle veut bien charger. Celle-là, je peux fermer ici. Pas donner de clé, en fait, le compteur de gaz. Après, si ça marche pas, c'est pas grave, je le ferai moi-même. Donc, d'ailleurs, par rapport à la chaîne YouTube, hein, c'est pareil dans l'espace les ressources. Là, je viens de cliquer sur l'onglet les ressources. Au tout début, ici, vous avez le kit participant, par exemple, et en dessous, n'hésitez pas à consulter notre chaîne YouTube et vous avez le lien vers la chaîne YouTube. Voilà. Bon, ça m'a l'air de... Non, c'est pas celle-là. Bon, elle ne veut pas charger. Hein. Ah, si. On va tenter le coup. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Non, il n'y a pas de son. Pourquoi il n'y a pas de son ? Parce que là, il y a du son. Mais moi, je n'entends pas le... Alors... C'est en baissant la qualité, j'ai enlevé le son. C'est bizarre ça. Recharger. Alors, bah, il n'y a plus de son. C'est étrange. Donc, c'est pas grave, je vais faire la voix off. Donc en fait, là, ce qu'il y raconte, c'est que vous avez deux gestionnaires de réseau. Pour l'électricité, ça va être Enedis, et pour le gestionnaire de réseau gaz, c'est GRDF. Et eux, en fait, ils vont faire des relevés une à deux fois par an. Et ensuite, vous avez la possibilité de relever vos index vous-même pour avoir une facture qui correspond au mieux à vos véritables consommations, parce qu'en fait, eux, ils font des estimations sur vos consommations. Maintenant, pour l'électricité, il y a les compteurs Linky, qui sont des compteurs communicants qui se développent partout. Et il y a le Gaspar aussi qui suit juste derrière, ce qui permet d'avoir des factures au plus près de vos consommations. Donc ça, c'est les nouveaux compteurs qui font des transmissions de vos données de consommation à distance. Donc là, ils expliquent que vous pouvez faire des autorelèves, donc relever des compteurs vous-même tous les deux mois, pour transmettre les informations à votre fournisseur d'énergie. Ensuite, une des premières étapes pour faire vos relevés de compteur, ça va être de trouver où se situe
votre compteur, donc intérieur du logement, palier, qu'est-ce qu'il disait, à la cave, dans le garage, ça peut être un peu partout et parfois ça peut être aussi très difficile d'accès, ce qui fait que c'est possible que des membres de votre équipe abandonnent le relevé d'un de leurs compteurs parce que tout simplement c'est trop compliqué, parce qu'il faut escalader, ouvrir une trappe, voilà. Ce qui n'est pas problématique parce que bon, c'est pas grave, on va se concentrer sur les autres compteurs. Mais ce qui est problématique, parce qu'en réalité, ces personnes-là devraient pouvoir avoir accès à leur compteur. En tout cas, pour le défi, bon, on se concentrera sur les éco-gestes. Donc ça, c'est les différents types de compteurs d'électricité qu'on peut trouver. Ça, c'est l'ancien compteur avec une petite roue qui tourne, qui a un compteur électromagnétique, pardon. Et donc, en fait, c'est une petite roue qui tourne pour compter la consommation. Ensuite, entre deux, vous avez un compteur blanc, qui est un compteur électronique, avec... Du coup, ça va un peu plus vite. Je pense que le monsieur parle plus vite que moi. Vous avez une petite touche ici, qui est une touche de défilement, un petit bouton pour appuyer pour faire défiler vos consommations. Et de la même manière, sur le compteur Linky, vous avez un petit bouton sur lequel vous pouvez appuyer pour faire défiler les informations. Et vous pouvez avoir à chaque fois soit consommation en heure de base, soit consommation en heure creuse, heure pleine. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, il va falloir prendre les deux informations. Donc, à noter sur un papier avec la date de votre relevé ou en prenant en photo. Pour le gaz, du coup, il y a deux types de compteurs qu'on peut retrouver. L'ancien compteur, enfin, en tout cas, le compteur classique, qui disent classique, là, qui est blanc, avec la consommation en noir et ce qui est après la virgule, finalement, en rouge, on ne s'y intéresse pas. C'est une consommation en mètres cubes. Et de la même manière, sur le compteur orange communiquant Gaspard, vous avez votre consommation sur les chiffres en noir avant la virgule. Ouais, bon, ça, après, finalement, ça ne nous intéresse pas trop. Voilà, on a fait sans le son. On s'est débrouillé. Papapipapou, on était là. Donc là, j'avais remis un petit peu des images qui représentent les compteurs, les différents types de compteurs. Voilà. Et ça, c'est le compteur de gaz. Donc on voit bien ce qui est encadré. C'est ces chiffres-là qui vont nous intéresser et qu'il faudra rentrer sur la plateforme des clics. Je crois qu'on avait vu ça rapidement la dernière fois. Donc bien faire attention aux unités. Pour le gaz, parce que du coup, sur vos factures, vous allez avoir aussi des informations en kilowattheure, donc bien mettre les informations en mètres cubes à partir de vos factures. Prendre les chiffres avant la virgule, ne pas se tromper sur les dates, donc c'est pour ça que j'arrête pas de le rabâcher. Si vous prenez en photo, vous avez forcément la date de votre relevé. Si vous le notez sur papier, bien notez la date à laquelle vous faites votre relevé de compteur. Et tout ce qui est bois, bûche, fuel, propane, etc., je pourrais le faire avec vous au cas par cas, parce que c'est un peu plus complexe. Est-ce que vous avez des questions sur les relevés de compteurs? Oui, moi j'en ai une pour le gaz. Justement, tu parlais des unités. Justement, oui. Hier, on a regardé pour ouvrir un compteur, un gaz, et en fait, il y a kilowattheure et mètre cube. Alors moi, je n'ai pas de gaz, donc je ne me rends pas compte. Oui. Mais je ne sais pas, du coup, c'est toujours en mètre cube ou si les personnes ont l'info en kilowattheure, ils peuvent le mettre en kilowattheure? En fait, ça va se passer à cet endroit-là sur la plateforme dans l'espace donné. Si je crée, au moment où je crée mon compteur, en fait, le mètre cube, c'est sûr qu'on a tous l'information. Donc, donner une information unique, pour moi, c'est plus simple. Okay. Mais quand je paramètre un compteur, donc là, je vais créer un compteur de gaz kilowattheure pour l'interrogation, gaz type de saisie, il me dit suivi gaz de ville avec index en kilowattheure ou en mètre cube. Par contre, si les personnes elles n'ont pas la possibilité d'avoir le kilowattheure sur le compteur, on est obligé de le faire en mètre cube. Donc pour moi, c'est plus simple de dire à tout le monde de prendre les données en mètre cube. Après, si la personne veut à tout prix travailler uniquement avec les kilowattheures, c'est possible. Mais en revanche, il va falloir faire attention à ce niveau-là. Ok, ça marche. Non, mais il n'y a pas de souci. Enfin, on peut dire à tout le monde de faire en mètre cube. C'est juste que, en regardant hier, j'ai vu que c'était possible de le faire en kilowattheure. Et du coup... C'est possible du coup, mais c'est à ce niveau-là qu'il faut être vigilant et du coup bien prendre les deux mêmes informations finalement, que ce soit sur la facture et sur le compteur. Oui, oui, oui. Ok, ça marche, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport au compteur, au relevé de compteur? Moi, j'ai pas l'impression. Super. Donc là, c'était un dernier récap. Donc,
remplir le quiz, rentrer ses consommations de référence à l'aide des factures, relever son compteur au moins une fois par mois et participer aux rencontres, réunions d'équipe. Les ateliers, donc, ils sont sur le site du défi. Vous avez le lien vers le site de la Maison de l'Habitat Durable. Le prochain gros rendez-vous, ça va être l'événement de mi-parcours samedi 4 mars à la Maison de l'Habitat Durable et les réunions d'équipe. Donc ça, c'est vous qui êtes à la manœuvre. Et c'est le moment du petit focus sur la mallette avant de passer aux éco-gestes. Donc, chaque participant, lui, il a un kit qui est à droite encadré avec les petits pointillés en bleu. Avec le guide des 100 éco-gestes, la version ancienne famille à énergie positive, mais vous avez la version des clics, avec chaque éco-geste par pièce et une petite indication sur le degré d'efficacité de chaque éco-geste en début de chaque thématique, chaque pièce de la maison. Tout en bas, si vous regardez, ça va être écrit facile à réaliser ou très efficace en termes d'économie d'énergie. Donc ça, c'est un peu la référence de ce que vous pouvez faire au quotidien. Et après, les trois petits objets dedans, c'est le thermomètre 3 zones. Parce qu'on va le voir, le chauffage, les deux tiers de vos consommations d'énergie, mais finalement, le réfrigérateur et le congélateur, si on peut les régler, c'est bien aussi en termes d'économie d'énergie, d'électricité. Le sablier de douche pour l'eau chaude et la multiprise interrupteur qui ne s'affiche pas là, mais pour tout ce qui est appareil en veille et donc consommation d'énergie cachée, clandestine, on va dire. Sur la mallette capitaine, du coup, j'ai une vidéo, donc vous allez voir, il y a des outils qui ne sont pas dans votre mallette, mais elle est pas mal parce que c'est animé et c'est plus facile pour moi de vous montrer cette vidéo plutôt que de parler de chaque objet de manière individuelle. Donc on va regarder cette vidéo-là, qui est un peu plus longue, donc accrochez-vous un petit peu, on se retrouve dans 10 minutes. Ah non, il n'y a pas de son non plus, ça ne marche plus. Ah bah alors là, ça va être compliqué. Je vais le faire à l'oral aussi. donc là, c'est deux animatrices d'un défi qui font une présentation de leur mallette à elles. Et donc, elles commencent par le thermomètre hygromètre. Donc vous, ce n'est pas ce modèle-là que vous avez. Mais le thermomètre hygromètre vous permet de mesurer la température, tout simplement, mais aussi le taux d'humidité. Et le taux d'humidité, c'est important de savoir quel taux d'humidité il y a dans chaque pièce. Donc, c'est un appareil que vous pouvez vous prêter. Puisqu'en fait, un air humide est plus difficile à chauffer qu'un air sec. Et l'idéal, c'est d'avoir, comme là, on le voit, c'est sur le vert ici, entre 40 et 65, 70 max de pourcentage d'humidité. C'est ce qui est recommandé. En dessous, ça peut être problématique pour la santé. Au-dessus aussi. Et en plus, au-dessus de 70%, on va vraiment avoir du mal à chauffer son air. Donc là, c'est une autre version que vous avez. Vous avez un petit smiley qui vous dit si c'est OK ou pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 45-65%. Donc là, il précise en fait ce qui peut être problématique, déshydratation, maux de tête avec l'humidité dans votre pièce. Et la recommandation, c'est une aération de 10 minutes par jour. Grande fenêtre ouverte d'un coup et bien refermée après. Là, c'est quelque chose que vous n'avez pas. C'est un thermomètre infrarouge pour mesurer la température des parois. Là, on retrouve le thermomètre que vous avez, vous, dans le kit participant. Oui. On ne voit plus la vidéo. Là, voilà, donc elle montre un petit peu comment le mettre à l'intérieur du réfrigérateur. Et chaque degré en moins, donc là, contrairement au chauffage, donc à chaque fois que vous allez diminuer de 1 degré votre température de chauffage, vous allez économiser 9% d'économie d'énergie quand vous chauffez au-delà de 19 degrés. Pour le réfrigérateur, c'est à chaque fois qu'on augmente finalement la température du réfrigérateur. Alors après, il faut respecter les limites pour la santé et conserver les aliments. Aller au plus proche de cette limite-là. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est 5% d'économie d'énergie gagnée par degré en moins. Et vous recommandez quoi comme température?
Bah, sur le thermomètre, du coup, dans votre kit, vous avez le thermomètre et du coup, vous avez la petite fourchette qui vous permet de régler la température de votre réfrigérateur. Ce qui est bien, c'est de le mettre dans le réfrigérateur en bas et en haut parce qu'on ne va pas avoir la même température. Et en fonction des réfrigérateurs, c'est plus froid en haut ou en bas. C'est pour ça que c'est difficile de dire s'il faut mettre la viande en haut ou en bas, ça dépend des réfrigérateurs. Donc après, ça va être tout ce qui est appareil autour de l'eau. Donc là, il y a un débitmètre. Nous, c'est un sac débitmètre qu'on a. Ça permet de mesurer le débit, la quantité d'eau qui sort de votre robinet ou de votre pommeau de douche. Et donc, à chaque fois qu'on utilise de l'eau, généralement, c'est de l'eau chaude. Et donc, il y a un intérêt à diminuer sa consommation d'eau tout simplement pour préserver la ressource en eau et aussi pour diminuer sa consommation d'énergie. Donc là, c'est un petit bol. Nous, je crois qu'il montre la version en sac juste après. Nous, c'est la version en sac qu'il y a là. Et sur ce sac-là, vous avez écrit si vous êtes économe ou pas. Je vais faire une petite pause. Vous voyez en bas, c'est écrit économique. Donc, sur le sachet, vous suivez les indications. Vous faites couler l'eau à fond pendant 10 secondes. Et en fonction du remplissage de votre sac, vous savez si vous avez à intervenir ou pas pour mettre, par exemple, un mousseur sur votre robinet ou à l'entrée de votre flexible du pommeau de douche. Non, ça, c'est la mallette du capitaine. Ça va pas, chez Annelin ? Allô ? On vous entend parler. Parce que je ne sais pas si on enfin si c'est si vous faites s'il n'y a que moi qui vous entends ou... Donc là elle montre comment remplir le voilà. Donc là ils vont montrer comment remplir le sac en 10 secondes. Bah, c'est à deux, c'est plus facile, hein, ça c'est sûr. Et bien sûr, l'eau à la fin, ce qu'on peut en faire, c'est arroser ses plantes ou remplir son réservoir de chasse d'eau, par exemple. Donc là, dans leur exemple, on voit qu'il n'y a pas trop d'eau qui a coulé en 10 secondes, donc c'est bien, c'est économique. Donc là, après, bah, c'est pareil, dans vos mallettes, vous avez des petits mousseurs, donc c'est des petites choses à intégrer dans vos robinets ou à l'entrée des flexibles de douche, qui vont en fait globalement injecter des petites bulles d'air en conservant un débit, quand même, une puissance de jet d'eau assez important, donc on ne s'en rend pas trop compte. Et donc, ce petit appareil qui coûte quelques euros va vous permettre d'économiser de l'eau et donc de l'énergie. Après, c'est bien, comme tout robinet, au bout là, de détartrer de temps en temps dans du vinaigre. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font après ? Donc là, ils montrent comment installer un mousseur. Je vais passer un petit peu cette étape-là. On peut essayer. Là, le sablier de douche, c'est pareil, c'est quelque chose que vous avez dans votre kit. Ça, c'est un autre débitmètre spécial à intégrer sur la douche, sur le pommeau de douche. Donc là, ça, c'est le wattmètre. Ça, c'est intéressant. Le wattmètre, c'est justement pour se rendre compte de la consommation de ces appareils, de la consommation électrique de ces appareils. Et ça mesure la puissance de votre appareil. Donc, par exemple, si c'est affiché 1000 watts, c'est-à-dire 1 kilowatt pendant une heure, ça fait 1 kilowattheure. Donc, vous le branchez sur la prise, ensuite, vous branchez dessus l'appareil que vous voulez mesurer et ça va vous afficher à un instant T la puissance de l'appareil. C'est un peu le même principe que la vitesse. C'est-à-dire que ça va vous afficher une distance que cet appareil a. Et puis, si vous faites cette distance-là pendant... si vous faites 1 km en une heure, bah, ça fera 1 km heure. C'est un peu le même principe, mais avec l'énergie. Ça vous permet de comprendre un peu mieux le concept. Voilà. Et donc là, je vais montrer... Je crois que là, ils font des calculs un peu plus complexes qui vous permettent de savoir si cet appareil-là, je l'utilise pendant une heure tous les jours, combien ça me fait de consommation à l'année, quoi. Voilà, donc ça peut vous permettre, en sachant le coût du kilowattheure, ça vous permet de savoir, sur votre facture, vous allez avoir le coût du kilowattheure, ça vous permet de savoir combien vous consommez en laissant cet appareil branché toute l'année, par exemple. La petite multiprise à interrupteur, donc là, c'est une toute petite, ça vous permet d'éteindre des appareils qui consomment en un seul geste. Bon, on va passer l'étape où il montre comment ça marche.
Ça, c'est le programmateur. Donc, ça vous permet de laisser passer le courant à certains moments de la journée. Donc, vous avez 24 petits crans sur le cercle. Et quand vous enclenchez l'écran sur certaines heures, eh ben, y a, l'énergie va passer qu'à ce moment-là. Donc, quand vous le branchez, vous mettez la petite flèche noire en face de l'heure qu'il est à peu près. Puis après, ça marche de manière automatique. Quand vous avez fait la réunion sur Anne-Laure, vous aviez expliqué ça par rapport au Wi-Fi, par exemple, quand vous avez coupé la nuit. Ouais, c'est possible de l'utiliser pour le Wi-Fi. Il y a aussi des routeurs Internet maintenant qu'il est possible directement de programmer pour qu'il marche qu'à certaines heures. Et puis, bah là, avec les périodes de fête, bah, on peut le faire, par exemple, avec les guirlandes à LED sur son sapin, par exemple. Ouais. Alors moi, ce qu'on m'a répondu, c'est que quand on coupait la box la nuit, du coup, il fallait que tout se réinitialise le matin. Voilà. Ouais. C'est très chiant. Et donc, du coup, voilà, c'est dans les freins qu'on a dans la famille, il y a ça aussi. Quoi. Ouais, c'est... Si vous utilisez Internet dans le lit, vous pouvez rentrer sans. Oui, en plus, hein, c'est ça. Je me fais maudire. Ouais, non, mais si on coupe la nuit, ouais, par exemple, à l'heure où... Mais c'est surtout pour la... Après, le routeur Internet, ça consomme quand même énormément parce que c'est pareil, c'est un des appareils qui est branché 24 heures sur 24. Et en fonction de l'usage qu'on en a, bah, c'est pareil, ça va faire plus ou moins fonctionner l'appareil et consommer de l'énergie. Donc ça, c'est à voir dans quelle mesure ça fonctionne ou pas chez vous. Ça dépend des routeurs. En fait, il y a tellement de fournisseurs d'Internet qui ont en plus plein de modems différents. C'est compliqué de savoir lequel fonctionne bien ou pas, même si on l'éteint la nuit. Donc là, c'est une démonstration. Voilà. Je peux couper là, je pense. Je vais reprendre la mallette que vous avez, vous. Anne-Laure, ça va? Ça va. Ils sont bavards, on vous entend parler. Je finis sur la mallette capitaine. Je vous libère bientôt pour votre réunion. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans la mallette, vous avez en plus des échantillons de joints de fenêtres et de manchons de tuyaux pour vous montrer qu'il est possible de faire des petits bricolages comme ça pour éviter de perdre de l'énergie. Ensuite, vous avez aussi des jeux. Donc là, on voit un aperçu d'un jeu avec une télé et c'est écrit 4 heures par jour. Il y a en fait plein d'appareils qui consomment chez nous. Et l'idée, c'est que vous puissiez, par thématique, donc il y a gros électroménager, petit électroménager, éclairage, il y a aussi tout ce qui est lié à l'eau, c'est de classer du moins consommateur au plus consommateur. Et quand vous retournez la fiche, vous allez voir une estimation de combien ça coûte, sachant que pour une utilisation, par exemple, là, de la télé de 4 heures par jour, sachant que c'est des Belges qui ont fait ça, et au vu de l'augmentation du coût de l'énergie là en France, ça correspond à peu près au tarif qu'on a aujourd'hui, nous, en France. Donc, voilà. Et ça vous permettra de vous rendre compte de la consommation, des différences apparaissent chez vous. Il y a aussi des indications sur la consommation en veille. Et des fois, on se rend compte que pour une heure d'utilisation d'un appareil, eh ben, on va plus payer de consommation d'énergie pour la veille que pour l'utilisation en tant que telle. Ensuite, vous avez d'autres jeux, donc un petit sachet avec plein de jeux, notamment des petits quiz à l'intérieur. Et il y a également un jeu de cette famille. Donc si jamais à la réunion d'équipe, il y a des enfants ou si vous voulez, s'il y a des membres de votre équipe qui sont intéressés pour parler de ces sujets-là avec leurs enfants, bah, ils peuvent emprunter le jeu de cette famille et jouer chez eux, par exemple. Même si le jeu de cette famille, il est sur une thématique plus large du développement durable. Est-ce que ça va pour vous? Je me suis un peu adaptée au fait qu'il n'y avait pas de son là sur la vidéo. Est-ce que c'est OK? Il y a juste une question, excusez-moi. Oui. Pour un degré en plus, ça correspond à combien d'énergie perdue de... Économisée? Non, alors, sur le chauffage, un degré, si vous diminuez de 1 degré, quand vous chauffez au-delà de 19 degrés, par exemple, dès que vous diminuez de 1 degré, c'est 7 à 14% d'économie d'énergie. Sur votre consommation globale d'énergie, c'est 7 à 14% d'économie d'énergie. Donc, c'est énorme. Sur le frigo, à chaque fois, plus vous diminuez, plus vous consommez. Et donc, à chaque degré, c'est 5% d'écart.
Et pareil, là, c'est 30% plus de consommation par millimètre de givre dans le congélateur. Du coup, si on revient sur le site internet, on a l'espace quiz, on a l'espace logement à remplir, l'espace données pour mettre ses données de facture et ses relevés de compteur. Vous avez les informations sur votre équipe dans l'onglet Mon équipe. Et puis voilà le site. Il y a des... Normalement, vous devez recevoir des mails. Vous avez dû commencer à recevoir des mails. Si ce n'est pas le cas, vérifiez bien vos spams, vos courriers indésirables. Ou sinon, contactez-nous parce que ce n'est pas normal. On a peut-être... Il y a peut-être une erreur dans votre adresse mail. Parce qu'en fait, on envoie des informations régulières sur ce qui se passe, les prochaines étapes. Par exemple, on a envoyé un mail sur les étapes du mois de décembre. Voilà. Il y a une page Facebook aussi, si vous êtes sur Facebook, où on publie quelques actualités. Et bien sûr, il y a... pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a l'équipe d'animation. Donc, il y a Gauthier qui est avec moi en service civique et moi-même qui sont là pour vous accompagner en tant que capitaine d'équipe. Et puis, c'est intéressant, si vous ne l'avez pas encore fait, de réfléchir à un outil de communication pour dialoguer entre vous. Est-ce que c'est des mails? Est-ce que c'est des textos groupés? Voilà, qu'est-ce qui vous correspond le mieux pour être sûr que chacun puisse avoir les bonnes informations pour organiser la réunion d'équipe. Pareil, sur l'organisation des réunions d'équipe, on peut imaginer que le capitaine initie la première, mais que la suivante, quelqu'un se charge de réserver une salle, d'accueillir chez soi, de préparer un gâteau, d'être responsable de la mallette, par exemple. Il y a pas mal de choses aussi qu'on peut déléguer. C'est des choses qui sont possibles parce que généralement, les capitaines d'équipe, pardon, sont des participants comme n'importe qui. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous pour cette première étape? La suite, ça sera tout ce qui est éco-gestes et monter un petit peu en compétence là-dessus. On aura un petit quart d'heure pour parler de tout ça. Ça vous va? Oui, c'est bon. Ok. J'ai une question. Dans la mallette, il n'y a pas le thermomètre avec le hygrométrie? En fait, il est carré ou il est rond, mais ce n'est pas le même que sur la vidéo. Non, on n'en a pas. Vous n'avez pas eu dans votre mallette? On a eu un sablier, mais on n'a pas eu. Ah, mais ça, le sablier, c'est dans le kit participant. Non, il était aussi dans la mallette. Oui, il y en a un dans la mallette aussi, Céline. Il est là, dans la mallette. Oui, c'est dans le... Et on n'a pas... On a dans pas le... Parce qu'on va, devoir vous la rendre, la mallette, avec tout ce qu'il y avait dedans. Oui, c'est ça. Mais oui, mais nous, on n'a pas de thermomètre. D'accord. Bah, sinon, ce que je peux faire, c'est vous en fournir un en plus. Bah, en plus, je ne sais pas, c'est qu'on l'a jamais vu. En plus, à la place. Je viens d'ouvrir la mallette quand on l'a ouverte. Je n'y avais pas. Vous n'avez pas un truc avec un écran dessus? Non. Okay. Non. On a bien tout le reste, tout ce que vous avez dit, l'ouest. En fonction de la taille des choses, on a tout ça en arme, on n'a pas le thermomètre. D'accord. Bah, ce que je peux faire, c'est éventuellement vous en fournir un pour vous en ayez un, en fait, tout simplement. Oui, d'accord. Ok. Ça vous va? Oui. Bon, bah, du coup, il faudra qu'on échange a posteriori pour s'organiser pour ça. Oui. On va passer au béaba de la consommation d'énergie. Excuse-moi, Céline. Excuse-moi, il y a Pascal qui veut poser une question. Oui. Vas-y, Pascal. En fait, j'ai eu un changement de compteur au mois d'août, au compteur d'eau. Et ah oui, il est revenu à zéro. Voilà. Et donc, quand j'ai fait mon relevé ici, il m'a indiqué une erreur parce que par rapport aux consommations l'année dernière, c'était inférieur. Donc, j'ai dû repartir sur les paramètres et puis indiquer que j'avais fait un changement de compteur. Mais je ne sais pas ouais, si ça va alors, c'est... être pris en compte après. Ouais, en fait, sur comment dire, il me semble, alors où est-ce que c'est? Ici, tout en bas, en fait, quand on fait des relevés, tout en bas, vous avez ajouté un index ici, et tout en bas, c'est écrit changement de compteur. Donc, on peut indiquer, le nouvel index, généralement, il est à zéro. Et l'idéal, c'est d'avoir l'index juste avant le changement de compteur pour pouvoir l'indiquer à cet endroit-là. Sinon, ça va être compliqué d'avoir... J'ai triché un peu, c'est-à-dire que j'avais relevé mon index au moment du changement. Ouais. Et ensuite, j'ai rajouté la partie que j'ai rajoutée.
Dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est voir ensemble pour pouvoir faire le changement de compteur, mais c'est possible de le faire sur, sur la plateforme. D'accord. Voilà. Donc, rapidement, du coup, pour comprendre un petit peu la consommation d'énergie en moyenne dans votre logement. Céline, excuse-moi, il y avait encore une question. Quand on n'a pas de facture d'eau, vous n'avez pas de facture d'eau, c'est ça? Non, en fait, pour le remplir le défi, j'ai cherché mes factures. Je suis dans la maison neuve et je me suis aperçue qu'en fait, je ne paye pas l'eau. Tu ne payes pas l'eau? Eh ben, bah, t'as de la chance, dis donc. Bah, faut peut-être pas le dire. C'est soit vous allez devoir commencer à payer votre eau, soit vous restez comme ça. Parce que normalement, vous êtes censé quand même avoir des factures. Bah non. En fait, notre maison, il y a le compteur, mais ils n'ont pas notre adresse. Enfin, c'est un peu paradoxal, mais donc on s'est déclaré seulement là maintenant. Donc mon conjoint avait fait des mots par curiosité. J'ai quelques chiffres. Mais alors, j'aurais jamais la période de l'année dernière. Ah, mais de toute façon, pour l'eau, on a dit que c'était différent et qu'on pouvait s'arranger autrement. Mais pareillement, on pourra voir. Ce serait bien de faire un relevé sur le mois, là, sans changer de comportement par rapport à l'eau. Et comme ça, on va pouvoir estimer votre consommation mensuelle sur l'eau. L'eau, c'est différent de l'énergie. Ça évolue pas d'un mois à l'autre. Mais il faudra qu'on voit ça, c'est spécifique, faudra, parce que c'est normalement on a des factures, sauf si on a déménagé, etc. Donc les deux tiers des consommations d'énergie sur votre logement en moyenne, c'est le chauffage. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir tout mettre le paquet, entre guillemets. Ensuite, tout ce qui est appareillage électrique, en dehors du chauffage, de l'eau chaude, de la cuisson, c'est 17%. Et vous avez l'eau chaude sanitaire à 11% et la cuisson à 5%. Tout ça dépend évidemment de vos usages. Si vous cuisinez énormément, que vous avez le four tout le temps allumé, la partie cuisson sera plus importante. Et si vous avez des personnes qui prennent des douches à rallonge et que vous êtes beaucoup dans le foyer, bah c'est pareil, cette partie d'eau chaude va augmenter. Donc, il y a une importance à choisir les éco-gestes qui sont liés au chauffage pour avoir un impact fort sur vos factures et de la même manière sur l'électricité spécifique, sachant que l'électricité correspond à une multitude d'actions dans votre logement. Donc, avant de passer à l'électricité, sur le chauffage, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la température ressentie. Donc lié au confort thermique. À droite, vous avez une situation de confort. Ce qui se passe, c'est qu'on fait la moyenne entre la température ambiante, donc ce que mesure votre thermomètre, et la température de la paroi. Une température de paroi qui est isolée est généralement pas froide, moins froide en tout cas. Donc ça peut être la différence qu'on peut avoir entre quand on touche une fenêtre et quand on touche un mur intérieur. Et donc, en faisant la moyenne entre 20 degrés air chauffé et 19 degrés la paroi, j'ai une température ressentie de 19,5, donc je suis confortable. En revanche, dans l'exemple avec la petite personne en bleu, je chauffe également à 20 degrés, mais la paroi est à 14 degrés, parce que c'est une fenêtre, parce que c'est pas isolé, pour X raisons. Et donc, je vais avoir une température ressentie de 17 degrés, donc c'est inconfortable. C'est important à comprendre parce qu'en fait, finalement, c'est la même chose pour tous les éco-gestes. Ça va dépendre de votre logement et de vos habitudes de vie. C'est pour ça que c'est compliqué d'imposer à tout le monde d'avoir 19 degrés chez soi. Bien sûr, on peut faire des différences de chauffage dans les différentes pièces de vie. On ne va pas chauffer de la même manière une salle de bain, une chambre ou un salon. Mais on peut. Voilà, c'est un indicateur, ce 19 degrés. Après, il y a la question aussi du température ressentie. Pareil, le fait d'avoir des courants d'air et de l'humidité, ça va aussi engendrer de l'inconfort sur la sensation de froid, etc. Donc ça, c'est important à comprendre. Puis c'est une petite astuce intéressante quand on a la possibilité d'emprunter, par curiosité, un thermomètre infrarouge et de mesurer la température de ses parois. Ça nous permet de savoir pourquoi en fait on a froid ou pas, d'où l'intérêt de mettre des rideaux sur les fenêtres, de fermer ses volets, etc. Et d'isoler, si c'est possible, son logement. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure, moins 1 degré, c'est au moins 7% d'économie sur votre facture, donc au-delà de 19 degrés. Et c'est au moins 7%, parce que ça peut aller jusqu'à 14% par degré.
Donc ça, c'est un schéma un peu complexe pour expliquer la ventilation au sein d'un logement. La différence, c'est que là, on peut couper la maison en deux, par exemple. À gauche, on a en fait une discontinuité dans l'isolation. Et en fait, on voit qu'il y a plein de flèches bleues. Ça veut dire qu'il y a de l'air qui passe à plusieurs niveaux. Et à droite, on voit qu'il y a une bonne continuité de l'isolation, c'est-à-dire qu'on a refait ses fenêtres, et il y a eu une attention particulière à relier l'isolation de son mur avec cette fenêtre. Pareil au niveau entre le mur et la toiture, etc., etc. Ça, c'est au niveau de la rénovation énergétique, mais c'est intéressant de s'y pencher parce qu'en fait, même si on rénove, si ce n'est pas bien fait, eh ben, finalement, on ne va pas gagner autant qu'on pourrait. D'où l'intérêt d'être accompagné et de s'orienter vers la maison de l'habitat durable ou le service Amélio, enfin, et le service Amélio de la métropole lilloise, pour être accompagné par des artisans qui sont formés à réaliser cette continuité dans l'isolation. Donc voilà le lien avec la rénovation sur le côté chauffage. On a les éco-gestes. L'étape d'après, finalement, c'est s'intéresser sur les aides, etc., ce qu'il est possible de faire chez soi, dans quel ordre et qu'est-ce qui vaut plus le coût en termes économiques ou de confort. Et de confort d'ailleurs. Sur l'électricité, donc on l'a vu, les deux tiers de vos consommations d'énergie dans votre logement, c'est le chauffage. Et on va prendre ensuite on a l'électricité, donc le 17%. Et sur ce 17%, voilà le découpage. Donc on voit que chaque gros appareil, que ce soit le sèche-linge, le lave-linge, le sèche-linge, à chaque fois on a 5%. Et on voit aussi qu'une grosse partie, c'est le froid alimentaire. Donc le froid alimentaire, congélateur, réfrigérateur. Qui fonctionne 24h sur 24, d'où le fait de mettre un petit thermomètre dans votre kit qui permet de les régler et de bien dépoussiérer l'arrière de votre réfrigérateur, de bien enlever la glace qui va s'accumuler dans votre congélateur, etc., etc. L'électrodomestique, là, sur le schéma, ça correspond aux petits appareils électroménagers. Et je voulais aussi attirer votre attention sur l'informatique qui peut être une part beaucoup plus importante si vous avez une quantité importante d'appareils informatiques type un ordinateur puissant qui permet à jouer à des jeux vidéo, qui va tourner tout le temps, et ben cette part-là va être quand même beaucoup plus importante au niveau de l'informatique. Pareil, tout ce qui est console de jeux vidéo qui reste branché, etc., même s'il y a des mises à jour, etc. Je comprends que ça soit une passion, mais il faut être conscient que c'est une consommation quand même pas négligeable au niveau de l'électricité, et que d'une console à l'autre, à chaque fois qu'on a une nouvelle console, on multiplie par 2 ou par 5 la consommation de ces appareils. Donc entre la PS1 et la PlayStation 5, je vous laisse calculer par combien on multiplie la consommation. Sur l'électricité, donc là, on a voilà, une petite comparaison entre des personnes qui ont remplacé au fur et à mesure leurs appareils en prenant des appareils avec des étiquettes énergie A+ ou A++. On n'est pas obligé d'aller au A++++, souvent la rentabilité elle n'est pas intéressante, sauf si on parle environnement. Mais au niveau économique, il faut vraiment garder longtemps ces appareils-là. Il y a toujours la question de l'obsolescence programmée aussi de ces appareils. Si on réfléchit au niveau global, peut-être qu'il est plus intéressant de réparer et de conserver un maximum ces appareils. Mais on voit que, voilà, en changeant le réfrigérateur, machine à laver, etc., là, sur ce modèle, on passe du simple au double en termes de coûts pour ces familles sur des périodes assez longues. Mais tout de même, quand on a des foyers modestes, eh ben, en fait, ça peut changer quand même pas mal la donne. D'autant plus que ce sont sur des calculs basés sur le coût de l'économie, enfin sur les coûts de l'énergie d'il y a un an, en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est le coût des consommations sur la durée qui est indiquée, là, 15 ans, 10 ans. Ouais, là, c'est sur différentes périodes. Donc, par exemple, votre réfrigérateur congélateur, donc là en plus c'est même pas un vieux réfrigérateur, parce que le vieux réfrigérateur on pourrait estimer que c'est des C ou des D, donc ce serait même peut-être plus que ça, genre 1000 euros on va dire, et ben en prenant l'étiquette A++++, A3+, plus facile à dire, ben on a quasiment la moitié de dépenses en termes de facture d'énergie sur 11 ans, donc c'est une longue période, mais il y a un match de foot ou quoi, je sais pas, j'entends klaxonner.
Désolé, hein, je vous retiens alors qu'il y a un match hyper important. Ouais, ils ont gagné. Waouh, c'est impressionnant. L'Espagne. Bon, bah voilà. Bah, apparemment, il y a des Espagnols dans le quartier où je suis. voilà. C'est les Marocains. Ah, les Marocains. Bon, bah voilà. Apparemment, il y a des Marocains dans le quartier où je suis. donc, ensuite, pour le. Donc, l'électricité, voilà, des exemples de température idéale pour le frigo et le congélateur. Ça, c'est des exemples d'éco-gestes que vous retrouvez de toute façon dans le guide des éco-gestes. Je vois qu'il est 19h, je vais finir rapidement. J'avais un dernier focus sur l'eau. Donc là, on voit déjà la répartition de la consommation d'eau dans un logement. On voit que les bains-douches, c'est la majeure partie, mais que finalement, les sanitaires, ça arrive juste derrière. Donc, la petite bouteille d'eau, la petite brique qu'on peut mettre dans le réservoir, ça peut être intéressant. Ou si on change un moment de chasse d'eau, d'avoir la possibilité de choisir petite ou grande chasse d'eau. Un titre d'indication sur des douches qui ne durent pas, bien sûr, 150 ans. Un bain, c'est entre 150 et 200 litres, alors qu'une douche, on est entre 30 et 60 litres. Pareil sur la consommation de votre robinet, de votre évier, on est sur 10 à 12 litres par minute, alors que si on installe un mousseur, ben on va passer à 5 litres. Donc au-delà de votre changement de comportement au quotidien, cette petite installation qui coûte quelques euros va vous permettre de réduire de moitié votre consommation d'eau au niveau de ce robinet-là. Pareil, donc ça j'en ai parlé rapidement, ben voilà, j'ai mis la charrue avant les bœufs. Les anciens modèles de chasse d'eau, on était à 10 litres par chasse d'eau. Et puis après, vous avez le système de mettre une petite bouteille d'eau ou le système de double commande sur votre chasse d'eau qui permet d'avoir moins d'eau qui s'écoule à chaque usage. Pour aller plus loin, je le rappelle, il y a des ateliers qui sont référencés sur le site de la Maison de l'Habitat Durable. Pour le moment, il y a les ateliers jusque décembre. Et là, vous allez avoir le prochain trimestre qui devrait arriver bientôt. Au plus tard début janvier pour janvier, février, mars. Voilà, moi c'était j'avais un petit quiz mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, mais vous le retrouverez dans le diaporama qui est sur le site. Ce que je vous propose au vu de l'heure, c'est de répondre à vos questions et puis voilà, ce sera pas mal. Je vous écoute. J'étais encore trop claire. Moi, je voudrais savoir par rapport à quand vous dites des appareils qui sont en veille. Ça veut dire quoi les appareils qui sont en veille? Est-ce que c'est ceux qui ont une petite lumière qui reste allumée ou par exemple, je sais pas, la cafetière qui est branchée ou la bouilloire, même si elle ne fonctionne pas? Pas forcément. Oui, en fait, c'est pas forcément. Il n'y a pas forcément une petite lumière qui vous dit « je suis en veille ». À la limite, ça c'est bien parce que quand on voit la petite lumière, on dit « oulala, ça consomme de l'énergie ». Mais parfois, il y a des appareils qui sont branchés, qui n'ont pas la petite lumière et pourtant, ça consomme. Et c'est pour ça qu'avec le wattmètre, en fait, on peut vérifier si ces appareils consomment ou pas. Après, il y a un seuil de détection sur le wattmètre. Donc parfois, ça consomme très peu et on ne le voit pas sur le wattmètre, mais ça consomme quand même. D'accord. J'ai une question. Concernant les fours, la plupart des fours sont encastrés. Mmh. Et donc, si on voudrait le couper, parce qu'il y a tout le temps l'affichage avec l'heure, oui, c'est ça. On ignore combien que ça consomme ça, actuellement. Oui. Y a des limites en fait, hein. Y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est ce que je disais, en fonction de votre équipement, etc. Y a des choses qu'on ne peut pas faire, l'idée c'est d'aller le plus loin possible, mais effectivement, quand on a le four encastré, on ne va pas s'amuser à l'enlever pour pouvoir le brancher, etc. Et de tout plus que le four, ça consomme quand même énormément. Et du coup, il faut éviter de le brancher sur wattmètre parce qu'il y a quand même un seuil maximal pour le wattmètre pour brancher vos appareils. Donc, évitez de brancher les appareils qui consomment. Enfin, le four, ça pourrait passer, mais sur certains autres appareils, il faut éviter. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que je vous entends discuter un petit peu en même temps. La 17. Vous avez des questions? J'ai l'impression qu'il n'y a plus forcément de questions. Hein. Non. Si. Non. Vous, de toute façon, vous avez la réunion d'équipe pour y répondre après.
Moi, je reste disponible. Il y a encore des réunions capitaines qui vont, enfin, une formation capitaine qui va avoir lieu la semaine prochaine en présentiel, si ça intéresse des gens, pourquoi pas, de votre équipe. Et puis, sur le site internet, donc dans l'espace événements et actualités, sur les formations capitaines et ateliers éco-gestes, tous les mois, en fait, sur des séquences du midi, il y a des temps de questions-réponses et échanges. Donc, si vous voulez aussi avoir des moments comme ça d'échange avec d'autres participants sur des créneaux spécifiques qui sont réservés, vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, encore une fois, bon défi. Moi, je reste disponible avec Gauthier si vous avez des questions au fur et à mesure qui vous viennent. Je vous souhaite une bonne soirée et puis une bonne fête du vainqueur du match, je ne sais quoi. voilà. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, Céline. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.